Good morning, everyone. Welcome to the Standing Committee on Transport, Infrastructure, and Communities. Meeting number 31, orders of the day televised for everyone's information. Pursuant to Standing Order 108, Bracket 2, a study on the closure of Avios Fleet Performance Incorporated. Joining us today from the International Association of Machinists and Aerospace Workers in Canada, Mr. Louis Ehrlichman, Canadian Research Director, Jean Poirier, General Chairman, Chuck Atkinson, President and Director General, Tony Didoshak, General Chairman, Christopher Hiscock, President, and Gilles Brousseau, Quebec Coordinator. Welcome. I'm sure that Alexandre has given the directions, and I think, Mr. Atkinson, you're going to open with some remarks. Please proceed. Thank you, Mr. Chairman. We'd like to thank the committee for the opportunity to appear before you and present our views on the Avios closure. The International Association of Machinists and Aerospace Workers is the largest union in the Canadian air transport sector, having represented Canadian airline workers for over 70 years. We represent 2,600 Avios workers, most of whom were transferred from Air Canada. We also represent around 2,300 members who continue to perform aircraft line maintenance at Air Canada. The recent announcement of Avios's closure and the loss of over 2,600 direct jobs across Canada is shocking, but it does not come as a surprise. It is the result of a series of government policies and Air Canada actions that have undermined the Canadian aircraft maintenance industry. Aircraft maintenance is a growing global industry, providing highly skilled employment and a major component of Canada's skill and technology base. Avios, the former heavy maintenance division of Air Canada, is a major repository of these skills and know-how on which this sector depends. The Avios closure is more than the loss of over 2,600 high-skilled jobs and thousands of spin-off jobs and many millions of dollars of lost income and tax revenue. It has serious effects on the cities of Montreal, Winnipeg, Vancouver. In these difficult economic times, the Avios closure deals a body blow to this economically important sector. When the federal government privatized Air Canada in 1988, we raised serious concerns about the potential for a privatized Air Canada to move much of its work and jobs out of Canada. The government responded by including in the Air Canada Public Participation Act provisions requiring the corporation to maintain operational and overhaul centers in the city of Winnipeg, the Montreal urban community, and the city of Mississauga. The merger of Air Canada and Canadian Airlines has since added Vancouver as a major Air Canada maintenance center. In 1988, both the government and Air Canada stated publicly that the Air Canada Public Participation Act guaranteed that employment performing aircraft overhaul would be maintained and indeed expanded in these communities. Frankly, these provisions did not allay our concerns. We feared that a privately owned Air Canada's drive for short-term gain would undermine this commitment. Our fears have now been realized. From the time that Air Canada exited from creditor protection in 2004, Air Canada management proceeded systematically to dismantle the corporation, selling off assets and sucking over $2 billion worth out of the company, rewarding themselves handsomely while financially weakening the airline. As part of this asset stripping exercise, a majority share in the heavy maintenance division, Avios, was sold for over $700 million in 2007. At that time, Air Canada committed contractually to provide Avios with continuing work maintaining Air Canada's aircraft. Subsequently, close to half of Air Canada's maintenance workforce was forced to transfer to Avios on the promise of continued long-term employment based on long-term Air Canada contracts. Air Canada has not followed through on its commitment to provide the work to sustain Avios, leading Avios to file for creditor protection and announce its closure. Air Canada has not provided us with the information as to where it plans to have the heavy maintenance work done. The speculation is that it may not be done in Canada. While all of this has been unfolding, the federal government has stood by, making no effort to save this company
and this sector. Even as Avios announced its demise, the government has refused to act. While the government showed no hesitation to step in to quash our members' collective bargaining rights at Air Canada on the grounds of the economic necessity, it is unwilling to take any steps to maintain thousands of jobs in a vibrant sector. We are prepared to take legal action to get Air Canada to live up to the requirements of the 1988 legislation, but we are not here to talk about a legal issue. This is an economic and a moral issue for us. Is the government prepared to stand by and watch the demise of a major player in the key sector of our economy? That's the question. We call upon the Harper government to respect its commitment under the law to support these jobs and the aviation maintenance industry in Canada. Thank you. Now we'll be open for questions. Thank you very much. Mr. Nichols. Merci, Monsieur le Président. Nous savons bien que le ministre va se cacher derrière ses avocats, alors on va parler d'autre chose que la loi ici. Le président et chef de la direction d'Air Canada a affirmé à ce comité que les agences fédérales de développement économique pourrait contribuer à l'établissement de nouvelles entreprises de maintenance, de réparation et de révision au Canada en vue d'embaucher la main-d'œuvre qualifiée. So we can hear. She's too far from the microphone. Translator. Sorry, Jim. Jim, excuse. En vue d'embaucher la main-d'œuvre qualifiée et d'utiliser les installations existantes. Selon vous, que devrait faire le gouvernement fédéral pour que vos membres recommencent à travailler au Canada? On sait toutes que les maires des villes sont prêts à nous appuyer dans nos démarches. On sait toutes que les provinces canadiennes sont prêtes à nous appuyer dans nos démarches. La seule chose qu'on entend présentement du gouvernement conservateur, c'est qu'il n'y a aucun plan de sauvetage, ils sont prêts à nous aider en rien. Fait qu'aujourd'hui, on est ici vraiment pour parler au gouvernement puis de leur dire carrément, là, embarquez dans la danse, vous avez des emplois à sauver, vous avez une loi à faire respecter, puis il faut qu'ils arrêtent de se cacher, il faut qu'ils soient là avec nous, avec les provinces, avec les villes, avec la population canadienne, avec tous ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, qui sont sans emploi, sans argent, sans cessation d'emploi. Il faut que le gouvernement embarque là. Cette loi-là est sous votre gouverne, puis il faut que vous soyez là. J'ai deux questions. On parle des transferts d'emplois d'Air Canada à Avios, que les machinistes ont fait un transfert. C'était en quelle année que s'était fait la majorité des employés qui ont été transférés d'Air Canada? Écoutez, la vente s'est faite au niveau d'Avios en 2007, mais les emplois ont été transférés seulement en 2011. Mm. On parle de juillet 2011. Et 8 mois plus tard, tout le monde est dans la rue. L'an passé, j'étais au même comité parlementaire, peut-être pas avec les mêmes personnes, je reconnais quelques personnes ici présentes, qui sont très au courant de qu'est-ce qui s'est passé puis qu'est-ce qui s'en venait. Puis aujourd'hui, les gens de ce côté-là, au niveau du gouvernement, diraient qu'ils se souviennent plus de ça, puis qu'ils laissent ça aller. Ils laissent aller la parade, puis les gens sont dehors, sont sans emploi, puis je vais le répéter souvent aujourd'hui, parce que je veux que votre cœur parle, parce que le gouvernement est là pour le peuple, est là pour les emplois, est là pour la population canadienne, et ne sont pas seulement là pour les actionnaires de compagnie. J'aimerais parler de nos transferts, les transferts des boss d'Avios vers Air Canada. Est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait des gérants qui ont passé d'Avios à Air Canada? Oui, absolument. Il y a eu des personnes de la direction qui sont passées directement d'Air Canada à Avios. Oui. Alors, ça se peut que ces personnes-là savaient ce qui venait? Écoutez, ils étaient au courant de toutes les démarches d'Avios, alors ils pouvaient expliquer ça à la direction d'Air Canada facilement, non? Écoutez, moi, j'ai été dans l'entreprise depuis le début, depuis toutes ces démarches-là. Je vous dirais que tous les membres de la direction, écoutez, là, c'est mon langage là, à moi, là. Tous les membres de la direction au niveau d'Avios qui ont fait le transfert, je pense pas qu'ils étaient au courant, disons, aller jusqu'à un certain niveau de tout le plan qui a été mis en place pour qu'est-ce qui arrive aujourd'hui. Je pense que toutes ces décisions-là se sont faites au niveau de la haute direction, au niveau de peut-être M. Kolchak, qui venait de United Airlines et Delta, puis peut-être M. Butterfield aussi, mais
Au niveau de la direction plus basse, non, je pense pas qu'il était au courant. Mais nous savons que M. Kolchak, les conservateurs, ne voulaient pas l'appeler ici, alors on ne peut pas lui poser des questions. Voulez-vous expliquer au comité pourquoi la fermeture des usines d'Avios viole directement, c'est une violation de la loi sur la participation publique au capital d'Air Canada, puis est-ce que le fait d'avoir privatisé les installations d'entretien d'Air Canada était un premier pas vers le déplacement éventuel des emplois à l'étranger? Écoutez, au niveau de la loi, comme je l'ai expliqué, ça fait plusieurs semaines, puis je pense que le monde commence à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Il y avait un esprit de cette loi-là, OK? Puis je pense que vous êtes tous des parlementaires, vous savez tous comment ça marche quand on établit une loi. On se rencontre en comité législatif, puis on en parle. Puis on en parle pendant des mois pour être sûr que les vraies bonnes choses soient mises aux bonnes places. Écoutez, j'écoutais même M. Benoît Bouchard qui était là dans ce temps-là, puis qui dit qu'il n'y aurait pas eu aucun député du Québec et du Manitoba qui aurait accepté ce projet de loi-là s'il saurait qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était clair dans leur tête que les centres de révision devaient être maintenus dans les trois villes. Puis aujourd'hui, nous incluons Vancouver également là-dedans. Bien, c'est clair, même dans la décision de la Cour suprême d'Ontario, ils ont dit que Air Canada était en compliance avec la loi à cause que Avios était là. Oui. Maintenant qu'il n'est plus là, on peut dire qu'il n'est plus avec cette loi-là. J'appelle ça, présentement, on est hors la loi. C'est là qu'on est. On a su la semaine passée que le gouvernement avait refusé d'obliger AVOS à comparaître ici. Est-ce que vous avez des commentaires à nous dire là-dessus? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez que surpris. Le gouvernement fait sa job? Je suis pas surpris. Déjà là, qu'AVOS ne veulent pas se présenter, ça démontre vraiment qu'ils ont quelque chose à cacher. Non, je suis pas surpris. C'est ma seule réponse que je peux te dire présentement là-dessus. Puis vous, est-ce que vous avez finalement réussi à contacter AVOS? Est-ce que vous avez des discussions avec eux? Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Écoutez, les seules discussions, je sais que le département d'AVOS présentement est en train de ratisser beaucoup. Là. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont. Au niveau disons, de nos contacts, nous, au niveau des relations de travail, il reste environ 3 personnes qui s'occupent des employés pour environ 2600 employés. Je trouve que c'est pas une grosse équipe. Si on s'aperçoit que cette équipe-là, présentement, ne sont même pas capables de fournir des cessations d'emploi aux employés. Là, on parle qu'ils n'ont pas de paye, ils n'ont pas de salaire, mais ils peuvent pas avoir de chômage parce que les cessations d'emploi sont pas sorties. On parle, ça fait 3 semaines. Là. Fait que ça crie, là. Puis ça crie famine, là, je vous le dis. Là, c'est complètement fou. Je sais pas quelle autorité il faut que j'aille voir présentement. On a un gouvernement qui était ici, là, qui était en charge de l'assurance-emploi. Je ne sais pas s'ils ont des téléphones à faire présentement pour que ces gens-là reçoivent leur cessation d'emploi, mais en plus qu'ils n'aient pas de salaire, bien, regardez, ils n'auront pas de chômage non plus présentement. Thank you. Monsieur Coder. Messieurs, je dois vous avouer que je vous sens ses breaks un matin. Moi, je pense que Air Canada doit être conforme à la loi. Je pense que regarde, la réalité, c'est que le gouvernement peut s'être fait un avis juridique pour que ça sorte exactement comme quoi Air Canada est correct quand on n'est pas capable de faire la distinction entre une maintenance lourde et puis une maintenance de première ligne. Là. Je veux dire, on ne parle pas de changer l'huile, on parle de défaire un avion, de la remonter. Moi, je veux en parler un peu du juridique parce que, dans le fond, il y a deux réalités. Il y a la question juridique puis la question politique, puis on va y venir. Mais Monsieur Brosseau, quel est votre rôle comme coordonnateur québécois, exactement? Les activités au Québec. OK, ça veut dire que Ici, on a, peut-être c'est important de l'expliquer, c'est un district qui est national à travers le pays, c'est pour ça que vous avez des intervenants de partout. Je ne suis pas directement attaché à ce district-là, je suis plus attaché au district québécois. OK, vous n'êtes pas, un chaperon, là. Vous êtes là pour... Pardon? Vous n'êtes pas un chaperon. Là. Non, ne checkez pas Jean Poirier. Je ne suis pas de belle-mère non plus. OK. All right.